Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes hyper motivés pour une séance cardio brûle-graisse. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la seconde série d'exercices cardio brûle-graisse. À travers cette séance, je vous propose un enchaînement d'exercices polyarticulaires afin de recruter la majeure partie des muscles du corps, ce qui vous permettra de gagner en gain musculaire. Cette séance, elle sera sans équipement, facile à reproduire chez vous. On aura juste besoin d'un tapis et d'une bouteille d'eau pour s'hydrater. Mais bien avant de commencer, on pense à s'échauffer afin de déverrouiller toutes les articulations du corps pour éviter toute blessure et toute déchirure musculaire. Debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Genoux déverrouillés, le bras le long du corps, le dos droit, vous restez gainé. La flexion de la cuisse droite et l'adduction de la cuisse gauche tendue. L'extension des cuisses en effectuant un saut afin d'inverser la position cuisse. La cuisse gauche se fléchit et la droite se tend sur le côté. Enchaînez l'autre pied directement. Ceci correspond à une répétition. Inspirez durant la flexion et expirez durant l'extension. Mettez-vous à quatre pattes en gardant la colonne droite et en contractant vos abdominaux pour que votre corps forme une ligne droite des épaules jusqu'au talon. Soulevez une jambe vers l'arrière et la tendez complètement. La ramenez au sol en déposant uniquement le genou. Répétez le mouvement avec cette même jambe jusqu'à ce que la série soit terminée. Puis faites de même avec l'autre jambe. Au pire, vous pouvez alterner l'une jambe et l'autre. À vous de voir comment vous vous sentez plus à l'aise. Genoux, les genoux fléchis à 90 degrés, remontez le genou droit vers le côté jusqu'à atteindre le niveau des hanches, puis redescendez au point de départ. Vous refaites le même mouvement du côté gauche. Vous en faites plusieurs répétitions.
allongé au sol, le bas du dos collé au sol à votre tapis, la colonne vertébrale écrasée, ne pas creuser le dos. Vous remontez doucement vos deux mains vers le genou, soufflez dans la montée et redescendez doucement pour ne pas avoir mal au cou. Vous en faites plusieurs séries. Debout, les jambes à la hauteur des épaules, les deux bras le long du corps, vous faites une flexion du buste et vous descendez la main droite légèrement au niveau du genou droit et la main gauche au niveau du genou gauche et vous alternez les deux mains, ainsi de suite. Vous en faites plusieurs répétitions. Cet exercice vous permet de travailler les obliques. Position de planche classique. La main gauche vient chasser la main droite. Puis après, la main droite revient à la position initiale, ainsi de suite, et vous répétez le mouvement. Position de planche basse, le membre inférieur qui est appuyé sur la pointe des pieds, le tronc reposant sur les coudes, l'avant-bras tendu et les paumes au sol. Vous relevez le coude droit et vous venez poser la paume de la main droite. Au sol, genoux légèrement pliés, les talons rapprochés vers les fesses, la nuque légèrement relevée, le dos plaqué au sol, la main droite vient chercher l'orteil droit et la main gauche va chercher l'orteil gauche. Vous alternez le mouvement. Cet exercice vous permet de travailler les obliques, les muscles profonds. Les fesses.
la main au niveau des oreilles, tenir votre nuque, vous ramenez vos deux genoux au niveau de la poitrine, vous restez contracté. C'est un exercice qui vous aide à travailler le transverse, le grand droit, les muscles profonds et les obliques. Coude droit vient toucher le genou gauche et le coude gauche vient toucher le genou droit et vous alternez ainsi de suite. Vous remontez un genou vers votre poitrine et vous alternez avec les deux genoux à tour de rôle. Alors, quels sont vos ressentis musculaires? Lâchez-vous en commentaire et faites-le moi savoir. Voilà des exos qui vous font travailler tous les muscles du corps et qui vous aident à activer votre métabolisme et à perdre du gras. Vous pouvez reproduire ces exercices, si vous le voulez, 2 à 3 fois par semaine, en combinaison avec d'autres séances un peu plus cardio. N'oubliez pas de bien manger sainement, car l'alimentation joue un grand rôle. Prévoyez toujours pour vos entraînements la qualité et non la quantité. Et abonnez-vous surtout pour me revoir régulièrement. Alors, je vous dis, prenez soin de vous. Travaillez bien et à la prochaine. Bye bye.